Gbagbo comme Allende dans le palais de la Moneda au Chili en 1973, encerclé par les valets de l'impérialisme français, est resté. Là où tout le monde se serait enfui, Gbagbo est resté, avec sa femme, ses enfants et sa mère. Parce qu'il est le seul président reconnu par la constitution ivoirienne. Parce qu'il n'a pas un appartement qui l'attend à Londres, à New York ou à Paris. Et pourquoi risquer l'arrestation s'il avait des milliards dans les banques suisses? Il est resté pour vivre jusqu'au bout la tragédie du roi Christophe. Et pour qu'enfin le masque tombe et que l'on découvre Ouattara, l'homme qui arrive au pouvoir dans un char français, le président de l'ONU. Celui qui, comme sa femme, est un étranger à la solde des puissances de l'extérieur. Car qui d'autre qu'un étranger, plutôt que de procéder au recompte des voix que Gbagbo appelait tous ses voeux, aurait fait appel à une armée de mercenaires pour tirer sur son peuple. Je revois Gbagbo assis sur son lit, désabusé, livré par la France aux oies noires qui, derrière lui, sont en train d'humilier Simone, sa femme. Et son regard dit la dernière phrase de Gabriel Péri, devant le peloton d'exécution de l'occupant allemand. « Imbécile, je meurs pour vous. » La France, aidée de collabos africains, nous maintient dans un appauvrissement permanent, en faisant jouer les institutions internationales en sa faveur, pour justifier les coups d'État militaires et les assassinats politiques qui ont pour fonction de réduire au silence les véritables leaders d'une indépendance réelle. Elle a forcé l'organisation d'élections dans un pays divisé par une rébellion armée qu'elle manipulait en sous-main pour bourrer les urnes et nous imposer son négrier Ouattara, le grand ami de Compaoré, l'assassin de Sankara. L'ennemi est en face. Hier, c'était un chasseur d'hommes avec son chien, son filet, sa muselière. Aujourd'hui, il est noir comme vous. Il porte un costume, mais il est toujours à la solde de la France. Et croyez-moi, les enjeux financiers en valent la chandelle. Ces enjeux, Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, les a expliqués dans un livre, La guerre de la France contre la Côte d'Ivoire, que les nègres, comme d'habitude, ne liront pas, parce qu'ils préfèrent se référer à la presse française, qui selon eux est plus crédible puisqu'elle est blanche. Cette presse française, très habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les ignobles réponses qu'elle y apporte. Or, que peut-on attendre d'un journaliste lorsqu'il travaille pour Bouygues ou Bolloré? Elle ne raconte pas, la presse française, les intérêts de France Télécom qui a bénéficié d'une convention de privatisation dont elle n'a jamais respecté les clauses, ni des conventions obtenues de gré à gré par Bouygues sur l'eau et l'électricité à l'époque où le chef des rebelles, Ouattara, était Premier ministre, ni de l'autoroute du Nord que la France obligeait Gbagbo à confier au même groupe Bouygues. Elle est belle, l'Afrique, avec ses héros morts que l'on célèbre et qui ne sont plus que des noms de rues, des places publiques et des boulevards à putes en banlieue parisienne. Il n'est plus utile de gloser sur les résultats réels des élections ivoiriennes. Il est clair aujourd'hui que la France, comme jadis au Biafra, est le véritable instigateur de la rébellion en Côte d'Ivoire puisqu'elle s'est battue à sa place dans la bataille d'Abidjan. Pauvre nègre, réduit à nos folklores et nos querelles de poux autour de nos indépendances nominales que les négriers français, avec la complicité de nos États, redéfinissent au gré des circonstances. Nos réactions ne surprennent personne, bien au contraire. À l'heure où le monde arabe, dans un immense élan fraternel, se révolte contre les dictatures que lui a imposées la CIA depuis 30 ans, les nègres que nous sommes courbent les chines et acceptent le diktat français. Cette même France qui a déporté Bamba, Samori, liquidé El Hadji Omar, la France de la traite négrière, du travail forcé, de la colonisation, celle qui nous vole 69% de nos devises en échange de la monnaie de singe qu'est le CFA, ouvrez la parenthèse, colonie française d'Afrique, fermez la parenthèse, et qui plus récemment a assisté l'autorité Hutu lorsqu'elle exécutait 800 000 Tutsis. La France qui bourne les urnes au Gabon et au Togo, celle qui chasse les Souba du pouvoir pour s'emparer du pétrole congolais, cette même France qui humilie vos frères et sœurs tous les jours dans toutes les préfectures de France et de Navarre, vous demande de croire aux canulars montés de toutes pièces par la diplomatie française et les flics de la presse, et en bon nègre, vous courbez les chines. L'armée française n'est rien, elle a perdu toutes les guerres depuis Sedan et elle ne gagne que contre les nègres. Vous pourrez désormais regarder vos enfants et en toute confiance leur promettre un avenir pire que le vôtre. Nous n'avons été que les larbins de la France, ils en seront les esclaves.